C'est grâce au collège public que j'ai pu découvrir la liberté. Liberté de réfléchir. Liberté de penser et d'agir. Liberté de voir ces jeunes Français jouer et rire. Ça paraît évident, mais pas tant que ça. Liberté de voir des femmes libres et émancipées. Liberté d'enlever mon voile. Certaines d'entre elles étaient maghrébines et représentaient pour moi l'espoir de leur ressembler. En les voyant tous et toutes, je me disais qu'ils ne songeaient même pas à la chance qu'ils avaient d'être nés dans ce pays. Sans doute ne s'en rendaient-ils même plus compte. C'est une évidence. Malheureusement, dès mes 16 ans, rattrapé par l'obscurantisme familial, j'ai dû arrêter mes études. Mais une graine était semée et ma volonté fit le reste. J'étais bien décidée à m'émanciper, à vivre dans ce pays et à saisir la chance qu'il m'offrait de me réaliser librement en tant que femme. J'y ai fait des rencontres, j'y ai pu y travailler et trouver l'homme avec qui je partage ma vie et mes valeurs.